Nous avons pour commencer la famille des pâtes sèches ou pâtes à foncer. On les utilise pour les fonds de tarte d'une manière générale. Viennent ensuite les pâtes molles, qui comprennent les pâtes à choux pour les chouquettes et les éclairs par exemple, les pâtes à crêpes et dérivées. Puis, il y a les pâtes feuilletées, utilisées en pâtisserie comme en traiteur, en sucré ou en salé. Il y a la famille des pâtes levées, les pâtes à pain et à pizza, les brioches, les savarins et les babas. Il y a également les pâtes levées feuilletées, que l'on choisit pour les viennoiseries ou le Queen Amman par exemple.